difficile pour un franco-marocain comme vous dans ces circonstances-là? Je suis pas franco-marocain. Oui. Je suis immigré en France et je suis marocain. Et j'aime la France profondément comme un immigré aime la France et comme beaucoup d'immigrés aiment la France et la respectent. Et du coup, est-ce que les choses sont difficiles pour quelqu'un comme vous? Vous vous sentez tiraillé? Mais Natacha, moi je ne suis pas diplomate, je ne suis pas politique, je ne suis pas tiraillé du tout. Mais j'ai jamais, je ne suis pas du tout tiraillé moi. Aujourd'hui j'ai une mission qui est d'aider mon pays, le reste ça ne me regarde pas. C'est pas, je dis ça, j'ai mis en avant le fait de donner des leçons, de recevoir des leçons, je l'ai mis en opposition à la grande solidarité du peuple marocain. Moi, j'entends les politiques français parler à longueur d'année d'union nationale, de cohésion nationale, de vivre ensemble. Inspirez-vous de ce qui se passe au Maroc comme unité, comme cohésion, comme solidarité organique, qui est dans l'ADN de la culture marocaine, qui n'est pas feinte, qui n'est pas une posture. Inspirez-vous de ça plutôt que nous apprendre comment on doit être solidaire. C'est tout ce que j'ai à dire.